20. Ah, pouvoir, je veux dire, dis à la personne au pouvoir. Tu as 20 sur 20. Tu as 20 sur 20. Tu as 20 sur 20. Alléluia. C'est l'année de l'accomplissement de toutes les promesses qui sont restées inaccomplies. Mais cette année, à l'an 2020, ça va commencer à s'accomplir. Alléluia. Sans rajouter iota, ni retrancher iota. Tu vas dire oui. Alléluia. Chaque semaine, tu vas dire, Seigneur, tu m'avais dit, 2020 est l'année de l'accomplissement. Amen. J'attends cette semaine l'accomplissement de ce que tu t'avais demandé. L'autre semaine, est-ce que tu termines le mois par l'accomplissement. Tu dis, c'est moi ici, j'ai vu les accomplissements. Ou bien, et l'accomplissement. Faites des accomplissements, ou bien l'accomplissement. Amen. Amen. Chaque mois, jusqu'au mois de décembre 2020, pour que notre vie, alléluia, puisse être la vie que le Seigneur Jésus Christ a destiné pour chacun de nous. Alléluia. Amen. La vie que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ a destiné pour toi, pour moi, ce n'est pas n'importe quelle vie. Nous sommes en retard, nous tous, par rapport à la destinée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en retard parce que la parole de l'Éternel déclare dans Jérémie chapitre 1, verset 5, l'Éternel t'avais déjà destiné, pourquoi il a dit, avant que ta mère puisse te concevoir, amen, je te connaissais. Amen. Donc, dans la destinée de l'Éternel, quand tu étais en esprit, avant que tu puisses avoir ce corps physique, alléluia, amen, l'Éternel te connaissait, alléluia, amen. Il avait destiné une vie, une promesse pour toi, que dans ta destinée, sur la planète Terre, tu puisses accomplir dans ta vie quelque chose de spécial que personne ne peut accomplir. Ce n'est que toi et toi seul. Dis à la personne qui est à gauche, ma destinée, elle est pour moi tout seul. Ma destinée est pour moi tout seul. Ma destinée est pour moi tout seul. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que moi je peux faire, aucun passé ne peut pas faire. Ce que l'autre passé peut faire, moi je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'aime ma destinée. Avant que mon père Augustin et ma mère Marguerite, vous avez dit, nous voulons avoir un enfant qui s'appellera un bonjour, Léon Fataki. L'Éternel me connaissait. Il avait déjà dit, toi Léon Fataki, tu viendras dans tes regards le plan de l'Éternel. Tu deviendras dans telle famille, dans telle tribu, dans tel peuple, dans telle race. Alléluia! Amen. Dans tel mois, dans telle semaine, dans tel jour, même à la seconde, bien précise. L'Éternel ne le savait. Amen. Mon père ne le savait pas. Ma mère ne le savait pas. À quelle minute il venait? Mais il y a celui qui le savait. C'est lui qui le savait. Il s'appelle le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Il avait donné l'ordre à ses anges de ce jour-là d'être là quand tu étais né. C'est la raison pour laquelle elle donna l'ordre à ses anges de te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta destinée, le jour que tu as vu le jour, ça a embêté l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Ça a embêté. L'autre. Et comme ça a embêté l'autre, l'autre, on ne le voit pas. On le voit au travers de qui? Des êtres humains. Amen. Parce que les êtres humains sont parfois les acolytes de l'autre sans le savoir. C'est la raison pour laquelle quand tu regardes ta vie, depuis que tu as reçu le Seigneur, c'est que combat, c'est combat. Combat, c'est combat. Attaque, c'est attaque. Problème, c'est problème. Obstacle. Non, c'est parce que l'Éternel, dans son planning, dans son agenda, dans son planning, dans son agenda, il savait, il avait décrété en disant, cet enfant, cette fille, ce garçon, j'ai sa destinée à la mer. Quel que soit le combat, c'est sa destinée qui va s'accomplir. C'est la raison pour laquelle
L'autre a joué. L'Éternel lui a laissé lui jouer. Alléluia. Amen. Lui a laissé. Mais 2020, tu auras 20 sur 20 de tout ce que tu avais demandé. Amen. Au Seigneur et au Sauveur Jésus. Ce n'est pas ton père qui va te donner 20 sur 20. Ce n'est pas ta mère qui va te donner 20 sur 20. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton cousin, ta cousine. C'est l'Éternel des armées. Parce que quand tu descends, celui que nous appelons Yahvé Sébaot, il a déjà commencé à combattre depuis l'année passée. Et cette année, j'ai dit, tout est accompli. Comme il a dit à la croix, en disant, Père, j'ai tout fait, tout est accompli. Il a regardé ta vie. Il a regardé ma vie. Il a regardé notre vie. Il a dit, non, assez c'est assez. Trois c'est trop. 2020 maintenant, c'est l'année de l'accomplissement de toutes les promesses que moi, l'Éternel, j'ai dit pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu commences maintenant à regarder, tu dis, ah, cette promesse-là, c'est pas moi, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences maintenant à dire cette année, si tu vas voir, Seigneur, je sais que ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons les rois des rois. Et le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alors nous allons commencer à quoi? À comprendre comment les promesses vont commencer à s'accomplir dans notre vie, à notre vie. Pour l'enjeu. Amen. Hein? Nous commençons par Colossiens chapitre 2, verset 17. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça, les amis? Colossiens. Colossiens 2:10, je me suis trompé, c'est ça. 2:10, s'il vous plaît. Colossiens 2:10. Colossiens 2:10. On nous dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Regardez les mots qu'on utilise. En lui. En lui qui est le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Qui est le chef de toute domination. De toute quoi? Hein? Domination. Cela veut dire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De toute domination. C'est-à-dire, qui va dominer? Il est le chef. Hein? Il est quoi? Le chef. Il est quoi? Le chef. Le chef de quoi? De toute domination. En d'autres, de toute entité, de tout problème, de tout obstacle, de toute situation difficile, de toute domination. Il est quoi? Il est quoi? Le chef. Et de toute autorité. Maintenant, regarde la personne qui est devant toi en face. Posez la question à la personne. Qui est l'autorité sur toi? Qui est l'autorité sur toi? Qui est l'autorité sur toi? Écoutez-moi bien, qui est l'autorité sur toi? Est-ce que c'est la situation, c'est l'obstacle, c'est le problème, c'est le désordre, ou bien c'est quoi? L'autorité c'est qui? Jésus-Christ. Et regardez bien, l'autorité c'est qui? C'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, vous avez quoi? Tout pleinement à lui. Regardez maintenant ce qui se passe dans notre vie à nous tous. Ce qui se passe dans notre vie à nous tous, comme il est le chef de toute domination. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a l'autorité, il veut vouloir te mentir, me mentir, nous mentir, en voilà quoi? En me disant, c'est moi qui ai l'autorité dans ta situation là difficile. Alléluia. Amen. Alors, quand il veut te dire là, tu dis, ah, c'est là qu'on nous a volé depuis longtemps des promesses.
Vous comprenez maintenant? Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Parce que c'est disait que donc, je suis l'autorité dans cette situation. Comme je suis autorité dans cette situation, j'ai droit à sa destinée. Alléluia. Et là, vous faites quoi? Et là, commencez à jouer avec ta destinée. En terminant une situation difficile, des obstacles, des situations difficiles, des obstacles. Et à un moment donné, il dit, ah oui, c'est cette situation qui a l'autorité sur moi. C'est le obstacle qui a l'autorité sur moi. Et regardez ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, les années commencent à passer. Parce que son travail, c'est quoi? C'est de voler dans notre vie, à notre souci. Le nombre des années de notre jeunesse. Alléluia. De voler le nombre des années de notre jeunesse. Et de voler même les années, non, des années de nos vies. Pour qu'on puisse être en retard de ce que le Seigneur, Sauveur de Jésus-Christ, nous a donné d'accomplir au moment à. Favorable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'il nous a donné comme pouvoir, nous allons voir, nous devons accomplir ce que lui il nous a destiné au moment favorable. Ce n'est pas au paradis. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le plan de l'homme se dit non. Non, la grâce te suffit. Faux. Alléluia. La grâce, elle est depuis à la croix. Elle est accomplie. Non, tu es tenté de souffrir. Elle dit, ta mère, non, la grâce de Dieu t'a suffi. Hein? C'est normal. Hein? Tu vois. Hein? Et d'ailleurs, hein? Tu dis, non, ce n'est pas dans le plan de l'éternel. Parce que dans ma destinée, pour moi, ce n'est pas ça qu'il m'a dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qu'il m'a dit. Alléluia. Parce qu'il est quoi? Il est l'autorité. En étant l'autorité suprême, il est le chef suprême. En étant le chef suprême, il décide sur ma vie, sur mes situations. Il fait quoi? Il décide. Et comme il m'a dit que j'ai tout pleinement à lui, donc il est qui? Il est mon père, il est mon chef, il est mon autorité. Donc j'ai l'autorité. Allez, on continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue, on descend là. De Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Alléluia. Mais... C'est l'âme de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est ça? De Corinthiens, que c'est ce que je veux dire. 1, 20. Oui. Lise maintenant. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Quoi? Amen. Regardez, c'est en lui qu'il est à quoi? Le oui. Alors, dans la promesse qu'il t'a donnée, dans la promesse qu'il m'a donnée, est-ce qu'il a dit non? Il a dit oui. Alors, dans ma destinée, il a dit oui. Mais alors, pourquoi maintenant il a le nom? Ce n'est pas lui qui fait le nom, c'est l'autre maintenant. Qui veut voler quoi? Le chef et l'autorité de celui qui est le chef suprême et l'autorité suprême. Oh, il m'a dit, j'ai tout pleinement accompli à lui. Alléluia. Amen. Tout est en lui. Tout, j'ai tout en lui. Comme j'ai tout en lui. Donc, ce qu'il a destiné doit s'accomplir. Toutes les promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit, sa parole est comme oui. On va arriver à Amen après. Ça y est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir. Je dois savoir. Nous devons savoir. Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il t'a promis. Sa parole est oui. Amen. Après. Alléluia. Amen. Sa parole est oui. Cela signifie. Alléluia. À lui. Il n'y en a pas ni changement, ni ombre de variation. Il n'y va. Moi, je peux changer.
Alléluia. Amen. Mais il est un être humain, n'est-ce pas? Amen. Mais lui, il n'est pas changé parce qu'à lui, il a été oui, je te dis, je vais faire ça. Quelle que soit ta vie. Amen. Quelle que soit ta vie. Vous savez pourquoi je vais vous expliquer maintenant? Parce que, regardez-moi bien maintenant, sur son trône, hein, il est ici, sur son trône. Et son trône, hein, le comment dire, son trône et règne à cause de quoi? De sa parole, voilà. Son trône, hein, son trône là, il est ici, ici, regardez-moi, sur sa parole. Alléluia. Amen. Comme il est assis sur sa parole, écoutez-moi bien, il a dit que tel fils, telle fille, ma parole est oui. Comme ma parole est oui, j'ai une destinée pour toi. Ma destinée pour toi, c'est pour que tu puisses accomplir sur la planète Terre tout ce que je t'ai donné. Vous voyez comprendre? Amen. Mais le plan de l'autre semaine, c'est de faire quoi? Il dit, non, il t'a trompé, regarde. C'est le cas dit, ça devait s'accomplir depuis longtemps. Pourquoi il t'a laissé dans cette situation? Ah, parce que l'autre vient. Il dit, c'est moi le chef. Alléluia. C'est moi le chef. C'est moi qui ai le droit. Il n'a aucun droit. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à ta droite, il n'a aucun droit sur ma vie. Il n'a aucun droit sur ma vie. Il n'a droit sur ma vie. C'est lui qui a le droit sur ta vie, sur ma vie, c'est le Seigneur et le Sauveur. Hein? Jésus-Christ. Sa parole est oui. Sa promesse est oui. Regardez-nous dans la suite. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le Amen est maintenant prononcé par lui. Par nous. Alléluia. Pour lui, à la gloire de Dieu. Pour lui, c'est le mot que je dis, c'est pour lui. Pour lui, regarde. Pour lui, à nous, nous prononçons quoi? Amen. Amen. Pour qui? Pour lui. Parce qu'à lui, il y a tout. Et moi, je vais prononcer Amen maintenant que je te dis Amen. Amen. Pour lui. À lui. Que ce soit Amen. Amen. Donc, ce qu'il m'a promis, ce qu'il t'a promis, ce qu'il nous a promis, nous devons faire quoi? Amen. Nous devons maintenant croire. Amen. Ah, Méliwani. Tu dois faire quoi? Tu dois, hein? Croire. Ah, et c'est là où on va arriver. Nous devons faire quoi? Nous devons croire. Alors, quand il promet, quand il nous promet, nous devons savoir qu'il a donné quoi? Sa parole. Il a donné quoi? Sa parole. Bon, l'être, il n'est qu'à qui te donne sa parole. S'il a... Vous connaissez la suite. Alléluia. Vous connaissez quoi? La science. Pourquoi? Parce qu'il est l'être humain. Écoutez-moi bien. Parce qu'il est quoi? Il est l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, comme je vous dis toujours, il est composé de trois parties. Sentiment, émotion, tempérament. Hein? Alléluia. Regarde, l'être humain agit à 1000% par l'âme. Or, dans l'âme, il y a les émotions, sentiments, tempérament. Amen. L'être humain composé le corps et l'esprit. Je n'ai pas que l'esprit, je mets d'abord de côté. Alléluia, je pense que c'est l'âme. Regarde maintenant ce qui s'est passé à l'être humain. Alléluia. L'être humain donne la parole. Il dit oui, je te donne ma parole. Alléluia. Quand il te donne la parole, est-ce que la parole là vient de celui qui a déclaré qu'au commencement était la parole et toutes les choses étaient faites par la parole? Et c'est cette parole vient de lui ou bien vient de toi?
Et si ça vient de toi, ça vient de quoi? De ton âme. Et dans ton âme, qu'est-ce qu'il est là? Sentiment, émotion et tempérament. Regarde maintenant les paroles de l'être humain. Est-ce que c'est le oui et amen? Non. Les promesses, est-ce que c'est le oui et amen? Non. Parfois on dit c'est la bouche, oui, parce que c'est l'âme. Mm-hmm. Dans l'âme, il a les sentiments, les émotions, les tempéraments. Et les, l'âme détruit beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la parole de l'Éternel, elle est tellement différente de ce que l'on met par la bouche. Parce que quand la parole de l'Éternel sort, l'Éternel connaît toutes tes besoins. Dis à la personne, l'Éternel connaît toutes tes besoins. Avec SS. Toutes tes besoins. L'Éternel connaît toutes tes besoins. Bien encore pour la deuxième fois. L'Éternel connaît toutes les circonstances. L'Éternel connaît toutes les circonstances. Bien encore. L'Éternel connaît toutes les situations de ta vie. Alléluia. L'Éternel connaît toutes les situations de ta vie. Il connaît toutes les situations de ma vie. Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, non, écoutez, d'après mon expérience, Alléluia. Alléluia. L'Éternel de Dieu, d'après mon expérience, d'après mon mes études, d'après mon mes connaissances, d'après... Ouais, l'être humain. Ouais, l'être humain. Quand l'être humain commence à parler comme ça, ce n'est que les sentiments, les émotions, ce n'est que l'âme qui parle. Regarde. Je pète 10 fois docteur. Moi, je suis docteur. Alléluia, je suis docteur. On est automatique. Alléluia. Je suis ingénieur. Alléluia. Regardez bien. Les ingénieurs ont bâti les maisons, n'est-ce pas? Mais quand le fléau naturel de l'Éternel arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel ramasse tout. Ravage tout. Le fléau naturel. Est-ce qu'il est ingénieur, n'est-ce pas? Sont des ingénieurs, n'est-ce pas? Pourquoi ils n'ont pas dit non? Comme nous sommes les ingénieurs, nous allons maintenant étudier, savoir comment on va construire les maisons. Quand il y a le fléau naturel qui est l'eau, comme ça, c'est nos bâtiments la plus que là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec les amis, on fait des calculs, on fait des traîneaux, et il faut comme ça, oignons, tomates, céleri. Alléluia. Le Seigneur le gars dit, vas-y. Tant que vous ne vous confiez pas à moi, qui est la parole. Qui est la parole? Rien ne peut pas arrêter le flot naturel. Alléluia. Amen. Regardez, l'aide ingénieur de forêt en Australie. Alléluia. En disant non, maintenant, nous allons savoir comment combattre le feu. La Bible déclare, pas la Bible, ce qui s'est passé, la Bible déclare, ce qui s'est passé en Australie, c'est comme si on a rasé toute la. La Belgique. Tout est là. Hein? Belgique. Rasé. Carbonisé par le feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ne savent rien faire. Mais c'est lui qui sait tout faire. Je vous ai dit 3 choses. Qu'est-ce que je vous dis? Première chose, c'est qu'il est capable de faire quoi? Il connaît, hein? Il connaît, hein? Nos besoins. Deuxième chose. Il connaît toutes nos circonstances. Alléluia. Toutes nos situations de notre vie, il connaît. Et comme il connaît, c'est la raison pour laquelle tu dis, bon fils et ma fille, c'est l'année de l'accomplissement de quoi des promesses. Parce qu'elle savait qu'il y aura des circonstances, il y aura des difficultés, il y aura des besoins. Quel être humain ne peut jamais trouver la solution. C'est lui qui va trouver la solution, on l'appelle qui? Grand je suis.
Yahweh. Je suis. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Et comme il est présent, il t'a donné sa parole. Et sa parole va s'accomplir dans ta vie, dans ma vie, dans la vie à nous tous. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît encore. Hébreux chapitre 10, verset 35. Qu'est-ce que vous dites? Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux chapitre 10. N'abandonnez donc pas votre assurance. Quoi? Il commence. Qui nous dit ça? L'Éternel. Qu'est-ce qu'il nous dit? N'abandonnez pas votre assurance. Hey, regarde nos vies à nous tous. Nous avons notre assurance, n'est-ce pas? On peut avoir l'assurance pour la voiture, l'assurance pour la maison, l'assurance pour ceci. C'est là. Mais il nous dit, n'abandonnez pas votre assurance. Vous savez pourquoi? Pour te dire que toi, mon fils, ma fille, tu as le droit dans la destinée que je t'ai donnée. Tu as quoi? Les droits. Via la personne, tu as les droits de ce que tu as les droits de ce que l'Éternel t'a promis. Tu as les droits. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas abandonner votre assurance. Assurance à qui? À l'Éternel. Parce que tu dis que tu as le droit. De quoi, maintenant, tu peux commencer à citer les droits de ceci, 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 les droits de... Alléluia! Amen! Alléluia! N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande quoi? Rémunération. Et t'as passé quoi? Une grande rémunération. En d'autres termes, c'est là où l'Éternel, quand tu as l'assurance, tu es attaché à l'assurance, il te rémunère, il te paye très bien. Amen. Alléluia. Amen. Il te paye très bien, spirituellement, physiquement, moralement, pour la gloire de son nom. Et puis, continue les mots encore. Continue. Hein? Hein? Laquelle est attachée une grande rémunération. Continue. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Tu as besoin de quoi? De persévérance. On t'a donné la promesse. On nous a donné la promesse. On nous a dit 2020 est l'accomplissement des promesses de l'Éternel pour ma vie. Je dois faire quoi? Je dois persévérer. Je dois avoir l'assurance. Je dois persévérer. Alléluia. Si je n'ai pas l'assurance, si j'oublie que je n'ai pas l'assurance, c'est-à-dire que j'ai perdu mon droit. Et comment j'ai perdu mon droit? Je ne peux pas persévérer. Alléluia. Et regardez la vie des gens aujourd'hui. La vie des gens, les gens ne persévèrent pas. Alléluia. Alléluia. Alors, et l'assurance, et la persévérance, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et regardez le mot là. Les deux, les deux. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. Ah! 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 L'assurance, la persévérance, vous obteniez ce qui vous a promis, comme vous avez donné là, la promesse. Ce qui vous a donné comme promesse. Donc il y a des conditions à remplir. Alléluia. Amen. L'assurance, la persévérance, l'assurance, la persévérance, l'assurance, la persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand il te dit que, oh non, vous savez... Vous savez, ça ne va pas. Tu viens de perdre ton assurance.
Tu viens de perdre quoi, hein? Ton assurance. Et quand tu viens de perdre l'assurance, tu as perdu quoi? Eya, hein? Droit. Eya, droit. Eya, droit. Au lieu d'avoir le droit, tu as perdu ton droit. Tu as donné le droit, tu me dis, regardez, comment nous perdons notre droit. Nous en perdant l'assurance, on perd notre droit, on donne à qui? À l'autre. Il l'utilise. Alors, regardez le chrétien aujourd'hui. Oh, j'ai chassé. Alléluia. J'ai chassé le démon. Laissez les démons tranquilles. Alléluia. Amen. Laissons les démons tranquilles. Laissons Satan tranquille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois garder quoi? L'assurance. La persévérance. Et la persévérance. Pour que les promesses puissent s'accomplir dans ma vie. Et ce sont les démons qui m'ont dit de ne pas garder l'assurance, de ne pas persévérer. Non. Alors pourquoi je dois toujours chasser les démons? Les démons, si je n'ai pas obtenu ça, c'est parce que quoi? S'il y a les démons de oignons, de tomates. Allez, non! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois avoir mon assurance. C'est-à-dire, ayant engagé le droit de. C'est un droit. Alléluia. Amen. C'est un droit. Donc, tu dois avoir ce n'est quoi? L'assurance. Et la persévérance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand j'ai ces deux choses-là, il y a les promesses qui vont s'accomplir. Et quand les promesses vont s'accomplir, regardez maintenant ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Marc chapitre 9, verset 23. Regardez s'il vous plaît, si vous dites là. Regarde maintenant. S'il vous plaît, Janina. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oh, hey, 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 hey. Oh mon Dieu. L'Éternel dit à la personne. Si tu crois. Si. Non. Si. Tu peux. Tu peux. Le. Écoutez-moi bien, regardez-moi tranquillement bien. Dans votre langage, dans notre langage, dans notre bouche, nous devons gommer ces mots-là, si tu peux. Regardez la réponse qu'il y a dans le Saint-Esprit. Si tu... Amen. Tout est possible à celui qui fait quoi? Alléluia. Tout est possible à celui qui fait quoi? Il croit. Regardez maintenant ce qui se passe. Là où il y a les problèmes pour qu'il y ait des situations difficiles. Ça, c'est pas par rapport. Maintenant, regardez maintenant, dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset commence par là. Mais à tous ceux qui l'ont reversé, une fois. Waouh, Dieu. Regardez bien, merci. Merci. Alléluia. Jean 1. Et 4. Ça dépend de la version. Alléluia. Regardez-moi bien maintenant. Là où demeurent les problèmes. Ouvrez les yeux comme des tomates. Ouvrez les oreilles comme des oignons de blé. Mais, il ne pas mais, à tous ceux qui l'ont reçu. Ok. 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 Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Continue, Janine. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Quoi? Ok. Alléluia! Amen. Regardons maintenant ce qui se passe dans la vie des chrétiens dans le monde entier. Regardez et écoutez-moi, je vous ai dit, ouvrez vos oreilles.
vos yeux. Alléluia. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que réellement, est-ce que je pose la question, réellement, on a reçu le Seigneur et le Sauveur Jésus dans notre cœur? Si réellement, on a reçu le Seigneur, il doit se passer quelque chose. Le recevoir. Regardez maintenant beaucoup de gens. Ils se disent, je suis chrétien, je suis chrétienne. C'est bien, alléluia, pour les chapeaux. C'est bien. Mais, est-ce que tu l'as reçu? Regardez maintenant comment il fonctionne, l'éternel. Comment il fonctionne? Comment il fonctionne? Dis à la personne, regardez comment l'éternel fonctionne. Regarde comment l'éternel fonctionne. Et Dieu a tout ce qu'elle a reçu. Et tu l'as vraiment reçu. Mm-hmm. Quand il le reçoit, dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a quelque chose qui va te donner. Amen. Il va te donner quoi? La foi. À tous ceux qui, maintenant, croient. Tu crois la parole maintenant, son nom qui est la parole. Tu crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde où se passent les difficultés chez les chrétiens modernes. Le 21e siècle. Il dit, non, moi je le connais. Parce que quand on l'a reçu. Alléluia. Amen. Ça s'accompagne par la croyance. Je crois à son nom et à sa parole. Est-ce que nous croyons à sa parole? Est-ce que nous croyons à sa parole? Est-ce que je crois à sa parole? Regardez maintenant, nous le recevons par l'âme. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, en disant je suis chrétien, ils l'ont reçu par l'âme. Mais les sentiments, les émotions, et le tempérament. Oh, on devrait le recevoir dans mon cœur. Quand je le reçois dans mon cœur, alléluia, amen. Je dois croire maintenant à sa parole, à son nom, de tout ce qu'il m'a dit. Je dois faire quoi? Je dois croire. Et quand je crois maintenant à lui, c'est là où en moi, il y a maintenant l'accomplissement de sa parole qui déclare dans Luc, chapitre 10, verset 19, en disant ceci. Il m'a donné maintenant quoi? Le pouvoir. Parce que comme je l'ai reçu, je crois à son nom. Il me donne comment maintenant quoi? Le pouvoir. De faire quoi? De garder dans ma poche le pouvoir? Non. De marcher sur le scorpion, sur le serpent, et aucune puissance de l'ennemi ne paie maintenant. Mais les problèmes demeurent où? C'est là. Est-ce que j'ai cru? Cru quoi? À son nom. À son nom, c'est quoi? C'est la parole. Amen. La parole, c'est qu'il a, tout ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans nos gens. Au commencement, c'était quoi? La parole. Au commencement, c'était quoi? La parole. Je crois cette parole. Qui est le commencement? Qui est le commencement de toutes les choses? Dans toujours dans un dit. Toutes choses ont été créées par la parole. Et rien n'a pas été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Je crois maintenant. Le problème qui est là maintenant, ça devient le problème personnel maintenant, de croire à la parole. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème qui est là, ça devient le problème personnel. De quoi, à la parole. Dis à la personne qui est à gauche, ça devient la question personnelle. Ça devient la question personnelle de par la parole. Ça devient la question personnelle de par la parole. Ok. Tu peux te dire, je l'ai reçu. C'est bien.
quand il a les campagnes de la nation, dit, oh, combien tu peux recevoir ces vies? Les affaires avancées, mais les jeunes avancées, les générations se disent. Mais regardez leur vie 6 mois après. Ils sont nulle part. Quand on le reçoit, on doit croire à son nom. Quand je crois à son nom, cela me donne le pouvoir. On n'a pas dit de croire au pasteur. On n'a pas dit de croire au prophète, ou bien aux apôtres, ou bien aux évangélistes, ou bien aux noms que je ne sais pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit de quoi? Je dois le recevoir d'abord. Alléluia. Amen. 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 Regardez maintenant. Raphaël, viens, cours, cours, cours. Regardez-vous tous, regardez. Je le reçois, viens. Je reçois dans mon bureau. Regardez, vous tous, regardez. Je fais quoi? Je ferme la porte. Alléluia. Amen. Je fais quoi? Je le reçois. Quand je le reçois, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, ce qui va me parler, hein? Je dois croire parce que c'est moi qui l'ai reçu. Si je viens chez lui, je vais là-bas. Maintenant, va chez moi. Là-bas. Alléluia. Amen. Assieds-toi. J'avance. Regarde. Je viens chez lui. Qui me reçoit? Raphaël qui me reçoit chez lui. Alors, quand il me reçoit chez lui, je dois croire à ce que lui il a dit. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de nous les chrétiens? On dit on reçoit le Seigneur Jésus, mais on ne croit pas ce qu'il nous a dit. Alléluia! Amen. Et c'est là même le problème, c'est la chrétienté de tout le monde entier. On voit les gens, on dit, oh, combien de fois ceux qui viennent recevoir Jésus-Christ? Alléluia! Oh, tu n'es pas d'après moi! Oh, 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 oh. 6 mois après, 9 mois après, 1 an après. Que dalle! Que dalle! Que dalle! Parce que quand on le reçoit, on croit à son nom, c'est jusqu'à la mort. Amen. Et c'est là où maintenant, on a le pouvoir, on a l'autorité, on a le pouvoir, on a l'autorité de prendre des décisions selon la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Et dit, je reçois le Seigneur. La Bible est claire et nette. Elle dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec. Donc, en d'autres termes, celui qui me reçoit. Alléluia! Amen. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il va entrer chez toi. Il va souper avec toi. Et quand tu vas maintenant croire en lui, c'est là maintenant la parole va commencer à créer la vie en toi. Alléluia. Parce que tu crois à ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit lui-même que les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Sont comment? Vie et esprit. Sont comment? Vie. Dis à la personne qui est à gauche, les paroles que le Saint-Esprit t'a dit sont vie et esprit. Les paroles que Jésus-Christ t'a dit sont vie et esprit. Alléluia. Amen. Alors, regardez maintenant les paroles que Jésus-Christ t'a appelées. C'est là où la parole de Dieu vient s'accomplir. Il dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Dans Romain. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que tu appelles toi. Regarde maintenant. Toi, comment tu vas appeler les choses qui n'existent pas à l'existence? Par la
parole. Parce que tu as reçu la parole. Tu crois à la parole. Tu vas être dans la parole. Tu respires la parole. Tu transpires la parole. Tu te passes avec la parole. Donc, à d'autres termes, tu marches avec qui? Avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ qui est la parole. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de le recevoir. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, l'an 2020, quand les gens recherchent, je les regarde, moi, je rigole. Alléluia. Amen. Parce que quand on reçoit, on croit en celui. Ce n'est pas une question de progression, c'est non. Tu l'as reçu, maintenant tu croiras après, mon œil est dans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je l'ai reçu et je l'ai cru, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu ferme jusqu'à aujourd'hui avec Elohim. Amen. Et toi, ça va être la même chose. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le yo-yo, la vie chrétienne n'est pas le yo-yo. Alléluia. Amen. Soit tu l'as reçu ou bien tu n'as pas encore reçu. Alléluia. Amen. Et qui s'était à la porte? Il frappe. Si tu ouvres ta porte, il entre, il va souper. Alléluia. Amen. Quand il entre, il soupe avec toi. Il est hôte pour toi. Et un hôte pour toi. Tu lui donnes tout. Alléluia. Amen. Tu lui donnes tout. Alors dans ta vie, dans ma vie, je dois lui donner tout. Parce qu'il est hôte de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dois lui donner tout. Tout, 2020, je dois lui donner tout. J'ai dit, Seigneur, je te reçois, je crois en toi. Tu m'as donné le pouvoir. Maintenant, Seigneur, viens. Alléluia. Amen. Quand je marche pendant la journée, pendant la nuit, je dois. Vous savez, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis mon pasteur, mon Mokulama Otibamo, qui m'a converti dans le Christ, dans un Christ. Alléluia. Il m'a dit, Fatih, tu sais, comme tu ne savais pas réfléchir, tu vas commencer à réfléchir. Jésus-Christ. Tu respires, Jésus-Christ. Tu respires, Jésus-Christ. Tu marches, Jésus-Christ. Tu pleuvais voir Jésus. Alléluia. Amen. Donc, oh, à moi, qu'est-ce qu'il avait? Je dégageais la puissance, l'autorité, le pouvoir. Alléluia. De qui? Du Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Quand des filles venaient vers moi, je disais, hé, hey, je n'ai rien dit avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand des situations difficiles viennent dire, ah, j'ai Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La solution, c'est demain la solution. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que je respirais le parfum. Je respirais le parfum. Et je respire le parfum du Seigneur. Et ça verrait Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, j'ai acheté un verset. Alléluia. Amen. J'ai acheté un verset fort. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai acheté un verset fort. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai acheté un verset fort. Un toi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et Jésus dit, tout! Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez maintenant. Tiens la personne qui est à côté de vous, à gauche, à côté de la main. Tiens la personne. Tenez-vous, tenez-vous, tenez-vous. Tenez-vous, tenez-vous. Et dis à la personne, toutes choses ont été faites par la parole. Dis à la personne, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien n'a été fait sans elle. Et rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans elle. Alléluia. Dans votre vie, tenez-vous la main. Dans votre vie, dans notre vie, nous devons être des gens. Des représentants. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien ne peut pas se faire ça la parole. Alléluia. Tout ce que tu as besoin a été fait par la parole. Tout
ce que j'ai besoin. Et c'est fait par là. Parole. Au lieu de faire ce que ça là. Parole. Alléluia. 2020, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la puissance de changer la vie et de transformer la vie, toi. Toutes les choses étaient par la parole. Ça n'a pas été par le pasteur. Non. Ça n'était pas par la parole. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien n'existe. Donc, dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, rien ne peut exister sans la parole. Tu veux la paix, c'est la parole. Tu veux la joie, c'est la parole. Tu veux la guérison, c'est la parole. Tu veux des enfants, c'est la parole. Tu veux le travail, c'est la parole. Tu veux l'argent, c'est la parole. Tu veux tout ce que tu veux, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu respires, quand je respire, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, toutes les choses sont faites par la parole. Donc, ta vie, c'est quoi? C'est la parole. Ah. Tu es mis par là, hein? La parole. Regardez maintenant comment tu es mis par la parole. Jérémie, chapitre 1, verset 5, dit, avant que ta mère et ton père, ta mère se recevoir, je te connaissais. Il dit quoi? La parole. Donc, tu existais. Tu existais. Tu existais dans la parole. Il a dit, c'est ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Genèse 1, qu'est-ce que tu dis? Toutes les choses ont été créées par la parole. Non, Genèse 1, 1. Au commencement. C'est la parole. Ah ah. Ça, c'est d'argent. Dieu créa les cieux. Ok, je vais rester par là. Non, je vais rester par là. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Au commencement, signifie quoi? Bereshit, Dieu. Elohim, créa. Bara. Signifie quoi? Je répète maintenant. Hein? Bereshit, Elohim, Bara. Bereshit, Elohim, Bara. Elohim, Elohim, Bara. Elohim, Elohim, Bara. Elohim, Benoît, voilà. Oh, Thomas m'a dit, créé. Toi, maintenant, comment je vais la créer par quoi? Par la parole. Bereshit, il a dit, à toi. Elohim, il a dit, à toi. Qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Il te dit, il m'a dit, de faire quoi? De bara, de créer, de créer, de créer, de créer. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez ici à la Louvière, vous verrez une école qu'on appelle Auto École Bara. Ça, il va comprendre. C'est le commencement. Il crée là. Il crée là. Alors, tu vas là. Tu vas voir à quelle école? École Bara. Tu vas aller créer un plan d'affaires. C'est un juif. Vous rigolez, c'est un juif. Mais vous, les profanes, ne savent rien. Il dit, avec un bara, avec un bara, avec un bara, avec un bara. Bara, quand tu regardes. Alléluia. Bérosite, il y a un bara qui regarde. Vous avez compris. Bérosite. Bérosite. Il y a un bara. Il n'a rien compris. Il va rester dans la bara, 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 mais il n'a rien fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la parole. Par la parole. Alléluia. Amen. Quand on va venir en grec, on dit quoi? On dit au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Regardez-moi. O-N. Regardez le français. O-N. Archeï. Hein? Au commencement était
Un. Oh, Logos. Oh, Logos. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu attends pour créer avec la parole? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Au commencement, il y a quoi? La parole. D'abord, si vous voulez bien. Pas le gos, en grec. Alléluia. Amen. Bereshit, Elohim bara. Alléluia. Amen. Tu dois créer à partir d'aujourd'hui. Amen. Tu dois créer une situation pour la gloire de l'Éternel. Par là. Parole. Je termine aujourd'hui par là. Alléluia. L'an 2020 est l'année de l'accomplissement des promesses de l'Éternel pour toi et pour moi. Mais à condition, tu dois avoir l'assurance, la persévérance pour créer l'accomplissement des promesses. Parce que lui n'a pas changé. Il y restera. Il y reste. Alléluia. Bereshit. Elohim bara. Il y reste. Elohim. Bereshit. Bara. Au commencement de la parole. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, 2020, l'Éternel va accomplir tout ce qu'il t'a promis. C'est à toi maintenant de rester dans l'assurance. À qui a les droits. Tu as les droits. C'est ton droit. Parce que ta destinée, ce n'est pas la destinée de ton père ni de ta mère, je le répète aujourd'hui. C'est la destinée de qui de l'Éternel. Et c'est que la destinée de l'Éternel veut que mon frère, ma soeur, que tu puisses rester fidèle à la parole au plan de qui? De l'Éternel. Le plan de l'Éternel, c'est quoi? Le plan de l'Éternel, il a dit, c'est que le plan qu'il a fait pour toi, les projets qu'il a formulés pour toi, Jérémie, ce sont les projets de quoi? De paix, de quoi? De bonheur et d'espérance. Et de bonheur. Projet de paix et de bonheur. De bonheur. J'ai formulé des projets de paix et de bonheur. Lui n'a pas le malheur, hein? Il n'a pas le malheur, hein? Vous comprenez, mes amis, hein? Amen. Lui n'a pas le malheur. Hein? Le malheur vient de qui? De l'autre. Je vais citer son nom aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui l'a formulé, ta destinée. C'est le projet de quoi? De paix et de bonheur et d'espérance. Et non pas de malheur. Quand tu vois le malheur, tu dis non. Ça ne vient pas de qui? De l'Éternel. De l'Oïe, il ne vient pas de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paix et bonheur. Paix et bonheur. Parce que dans ta destinée, regarde. Il peut faire une destinée dans ta vie. Pour que vraiment cette destinée soit une destinée qui est médiocre, loin de là. Alors pourquoi il a créé? On dit qu'au commencement, il a créé. Alléluia. Amen. Au commencement, il a créé. Bereshit, Elohim bara. C'est-à-dire, il n'avait rien. Rien. Il a dit, ok, maintenant. Je vais créer par quoi là? Par l'homme. Là, par. Tu dois créer toute chose. Alléluia. En toi, tu dois avoir l'assurance. En toi. Alléluia. La persévérance. Quand tu vois quelque chose qui ne tourne pas rond, non, ce n'est pas le plan. Tu te dis dans ta tête, ce n'est pas le plan de qui est l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois prendre quoi? L'autorité. Le pouvoir. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Prends, commence à menacer. Alléluia. Amen. Regarde-moi. L'autre, quand il a le moyen, lui, il menace. Quand il menace, lui n'a pas d'amis, hein? L'autre, lui, n'a pas d'amis, hein? Non. Alléluia. Amen. L'autre, lui, n'a pas d'amis. Comme lui n'a pas d'amis. Donc, quand tu vois une situation, tu as Dieu lui dire, moi aussi, je n'ai pas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, là, Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit. Entre moi et toi, Satan, il n'y a rien de toi à moi.
Il n'y a rien de toi en moi. Donc, sors de ma vie. Dégage de ma vie, j'ai dit de prier. Dégage de ma vie, on me dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois lui dire, tu viens faire quoi dans ma vie? Tu viens, qui t'a donné l'ordre? Qui t'a donné le pouvoir? Qui t'a mandaté? Qui t'a donné le pouvoir? Qui t'a donné l'ordre? Qui t'a mandaté? Sors au nom de Jésus qui t'a donné dans ma vie. Libère la place. Amen. Parce que mon corps est quoi? Et le temple de qui de l'éternel.